Hello mes ladies, petit vlog make-up. Je suis allée chez Sephora et bien sûr il y a énormément de produits qu'on n'a jamais entendu parler et aussi beaucoup de nouveautés sur des produits qu'on connaît déjà. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas une experte du make-up, mais bon ça va, je me débrouille. L'essentiel c'est de s'entraîner et de se renseigner. Honnêtement, j'étais perdue. Il y a énormément de produits que même les make-up artistes ne connaissent pas car ils ont adapté leur routine et parfois ils restent fidèles à certains produits. Donc parfois quand je me renseignais, il y en a, ils n'arrivaient pas à m'aider. Il fallait vraiment que je voyais des experts pour savoir qu'est-ce que était le produit. Franchement, on s'y perd avec tous ces produits. Mais il y a un truc que j'ai remarqué et que j'ai bien sûr kiffé, c'est que ici les gens, ils se maquillent comme elles veulent. Enfin, les filles, elles se maquillent comme elles veulent. Il y en a, elles font même leur petite manicure tranquille. Franchement, j'étais choquée. Et ça m'a bien fait rire. Enfin, je sais, en France, dans les Sephora, on a le droit d'essayer des produits. Mais là, je vous parle vraiment de full makeover. Les gens, ils s'arrêtent avant d'aller travailler. Ou autres, elles se maquillent, elles se parfument, tranquille, comme si elles étaient chez elles. Chaque marque ont leur espace et certains ont leur propre make-up studio, leur bar à make-up où il y a des make-up artistes qui vous maquillent, sans rendez-vous ou sans rendez-vous. Ça dépend de ce que vous demandez en fait. J'ai essayé ça deux fois, j'ai essayé de me faire pouponner deux fois. C'était super et les filles sont géniales. Je trouve que ça aide énormément, surtout pour les filles comme moi qui ne s'y connaissent pas trop niveau make-up. Donc j'ai fait un à deux makeovers et j'ai réussi à faire mon petit highlight et mon contouring sans problème. Franchement j'adore le côté make-up. Take a look from there. Oh yeah. You see how it's impactful. You just want to make sure you blend it out. So, and I'll show you a little contour. So I'm the same over here. De retenir la technique de contouring, enfin de highlight. Oh là là, c'est compliqué. So then what you want to do for your contour is place it right below your
J'adore. Oh, God.